Field. Temperature 13 degrees, Quebec November, Hotel 1018, first contact, c'est Charlie received. Bonne matinée, ici Cartes sans information, Charlie enregistré à 8h ETC, prévoyé approcher en 9, piste 10, puis manœuvre à vue 28. Piste 28 en service, niveau de condition 60. Le vent 270 degrés 8, visibilité 10 km. Nuage couvert à 4600 pieds avec des cumulus congestus autour de l'aérodrome. Température 13 degrés, Québec en Bretagne, 1018 au premier contact. Amorcé Charlie, reçu. Je vais lancer le cap. Fox en novembre, on est au point d'attente Fox, on est prêt pour s'aligner. Depuis Fox, niveau piste 28, autorisé décollage, 280 degrés, 11 nœuds. Le virage à gauche est approuvé, vous rappelez en sortie de zone dans l'est. C'est très gentil, merci monsieur. Donc on est autorisé décollage de piste 28, le virage à gauche est approuvé. Et on rappelle en sortie de circuit à l'est de vos installations, Fox en droit. Allez, ça c'est bon, ça c'est bon. Le poteau c'est sans objet, on a un grand volet, sécurité, la finale est dégagée. La piste est longue, donc on va maintenant marquer le point d'arrêt. Allez, on est parti. Allez, la puissance est affichée. Le badin est actif, il n'y a pas d'alarme. 50 nœuds, on va être un petit peu plus lourd que tout à l'heure. 60 nœuds, je me remets sur l'accès de piste. Allez, alors, ça décolle tout seul. Un petit peu de pied à droite. Bye bye Carcassonne. T'as un circuit de karting et de moto là sur la gauche. Là. Ah ouais, tu vois. Et y en a qui s'en donnent à cœur joie. J'ai encore oublié de fermer la porte. Ah. Et je sais pas si elle l'est ou pas parce que j'entends un bruit derrière. Pour moi elle est fermée ta porte hein. Ouais, bon, d'accord. Après il y a du jeu quoi. Non, pour moi elle est fermée hein. D'accord. Va pas te scamper quand même hein. Va pas te scamper quoi. Non. En fait c'est inconsciemment c'est parce qu'il y a une forme d'envie de saut dans le vide. On va éviter le village là. Les maisons sont jolies. Hein. Ok, le feu
c'est bon, là sur le pompe c'est bon, ça c'est ok. Donc il était 29 au décollage. Tower, good morning, runway 87 uniform Delta. Just a request, the runway is supposed to dry or wet. Avec un peu de bol, on le verra atterrir l'autre. Sorry, would you repeat please? Carcassonne Tower, runner 87 uniform Delta. Yep sir, go ahead. Just we would like to know if the runway is reported as wet or dry. At this time the runway is damp. Is dry? Damp. Delta Alpha Mike Papa. There is light rain. En fait le riz à mer il arrive de là. Between dry and wet. Eh oui, si on veut gratter 5 minutes, il est gratte. Hein. Ah, tu m'étonnes. Donc tu lui demandes si tu peux faire comme tu veux aussi. Ouais. Parce que là, tout ce service 28, ça fait chier, toi. Ah ouais. Putain, je dirais que soit c'est les remparts qui sont en travaux, parce que c'est ces taches jaunes là sur les remparts. C'est déco là qu'ils ont fait. Ah, de la déco, ouais, d'accord. Allez, je vais réduire un peu, comme ça on passera plus lentement. Donc là il y a une espèce de grande église là, ou une grande tour, je sais pas. Ok, approche sur les remparts, le pont. Juste sous le bon. Voilà. Alors je vais vous montrer l'entrée. L'entrée de la cité, elle est où il y a le cimetière, hein. Elle est de ce côté-là, il y a deux tours, et c'est là où il y a le pont levis de l'entrée de la cité. Là il y a le théâtre, vous voyez, ils ont fait un théâtre, on voit des gradins. Parce qu'on voit des spectacles là, surtout pour la fête de la musique, chaque année, il y avait Tarapapa qui faisait une émission là. D'accord. Et le pont levis est là-bas, vous voyez où il y a le cimetière, il y a une douve, et bien l'entrée de la cité se fait par là en fait. D'accord. Voilà. Bon là c'est un petit peu dégueulasse mais c'est pas très grave. Hein. Pas ça, pas un grain. On y voit à travers mais il n'y a pas de risque. Ben c'est sympa quand même à la cité comme ça. La femme à Pascal elle va croire qu'on est parti 6 mois avec tout ce qu'il va ramener quoi. Hein. La femme à Pascal va croire qu'on est parti 6 mois avec tout ce qu'on a ramené en photo parce que on en aura vu des choses hein. Ah, c'est clair, ouais. Ah ouais. Donc là on passe un grain, hein. C'est bon. Hein. Un grain, on peut le traverser si on voit derrière. Ouais, voilà. Ouais. Et là on voit derrière. Pour l'instant on y voit. Et on va, tu vas voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, ouais. La visibilité va se suivre. Donc il n'y a pas de risque majeur. De toute façon là on voit plus que dans le grain de tout à l'heure. Hein. Exactement. Ah, péage autoroute. On récupère l'autoroute qui est à droite. Ouais. Mais on va s'échapper sur la gauche. Souvenez-vous de la Pepsi quand on a vu, je vous ai montré une zone de merde qui était turbulence de la surface ouais. De la 4000. Cette zone, on y est dans là, on l'effleure par le nord. D'accord. Tu vois donc, je l'ai bien en tête. Donc l'idée, si tu veux, c'est de... Là, c'est des cordières à droite. Hein. Attends, je vais éviter le village. Hein. Voilà, j'ai évité le village. Hein. Pas la peine de, d'être désagréable. Hein. Voilà. Et là tu vois plus, tu vois. Ouais, hein. Ouais, ouais. Et là on est à quoi, 3 km de Carcassonne là. Peut-être ouais. 4 max. Et il commence à vaguement à disparaître. Enfin, ouais. La netteté elle est pas là quoi. Ça fout, hein. Et le grain il est devant là, on le voit. On voit que la pluie tombe devant là. Donc on va plutôt nous se faufiler vers là, tu vois. Bon, on appellera en sortie de circuit. On va aller chercher Conovambre. Voilà, ça va mieux là. On voit bien la différence de vent quand même, hein. Ça se dégage. Ah oui, bon, le grain est juste là, mais bon, ça va. Et là, on a les prémices de turbulence annoncées sur Perpignan. Hein. D'accord. Carcassonne, on sort quelque part ici, il y a le péage autoroute, je vois pas bien. Et hop, on s'en va par là. Donc sur l'autoroute à droite, il y a une zone survol 1000 pieds. 120 pieds pour un... Ouais, c'est ça.
Alors là, c'est l'avertisseur parce qu'on a moins de 1000. Donc ça, c'est classé bonbon. Alors il faut passer en mode. Tu passes en mode terrain. Château à gauche. C'est celui-là, non? Voilà, ah, il est là. Ah, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Menu. Mini de terrain. Donc ça n'aura plus l'alarme, tu vois. Ouais, et là, on voit la vallée, hein. On voit bien la vallée du Loraguet avec des reliefs de part et d'autre. Hein. Ouais. Voilà, là on va se remettre en mode traque. Allez, c'est bon, tu te sens là? Non, c'est bon, là je profite. Allez. Non, non, là franchement. C'est comme tu le sens. C'est comme c'est la dernière, si tu veux. Ah, ben là tu vas prendre plein les yeux normalement, vu qu'on va arriver sur le littoral. Hein. Tu devrais te régler. Non, les paysages sont sympas, ça vaut le coup de. Ah, ouais, voilà. Ouais. Par rapport à hier, il n'y a pas photo. Hein. C'est hier après-midi, hein, ça peut dire matin, c'est chouette. Les petits villages, quand tu passes, c'est mignon tout plein. Ah, ouais, voilà, ouais. Bon alors là je dirais à l'estimation doit être par rapport au sol, laisse-moi devenir. Plus de 1000 pieds ça c'est sûr, 1500 probablement, on doit être à 1600, 1800 pieds là. 1600 allez. On a 1003 en fait. On est à 1300 pieds là? Ouais. Ah. Bon, et au GPS, on est à 1250. Donc on est pas mal. Et on est à 230 km/h là. Ils font du riz ici? En toi Marc, après on va les voir. Ouais, mais là, déjà, là, t'as l'impression que t'as des rizières, des trucs en eau. Hein? Parce que tu verras tout à l'heure avec des mortes. Regarde, ça c'est de la rizière. Ah ouais? D'accord. C'est marrant ça. Ah mais ça je savais pas, tu vois. Ah, même sur ta gauche. Ah ouais? 32 novembre, on passe secteur Eco-Novembre Eco-Sierra pour couper la fréquence. T'entends plus bien. Vous pouvez quitter la zone et la fréquence, bonne fin de vol, les 7000. 7000, merci pour le passage et à très bientôt. Prochain point, Narbonne. On va arriver sur la ville de Lézignan, on sera sur la droite là-bas. D'accord. Donc là tu navigues entre les plateaux quoi. Ouais. Des petits mamelons parce qu'ils sont pas très très hauts. Ouais, hein, ouais. Et tu vois qu'on a pas mal de ce que je disais hier, on va commencer à avoir pas mal d'éoliennes hein, là-bas. Alors, on en avait même tout à l'heure sur la gauche. Ouais. Bon, est-ce que tu as l'information de cap sur ton bazar que je suis ouvert de temps en temps? Pour le GNS là, il y a une information de cap qui est donnée quelque part. Ah ouais. Bah, tout à l'heure on avait l'avertisseur. Ah ouais, ça y est, je le vois. Ah non, DTK, ça y est, je l'ai trouvé. 93, ok. Ouais. 18 nautiques. Ok, c'est bon. Montpellier, novembre, bonjour. Bon, on les capte pas encore, on est trop loin là. Il est énorme, c'est un gros lac rond. Et sur la scène photo de Languedoc, bien évidemment, il est représenté. Hein. Ouais. C'est un bon repère. Alors là, on est bas, on le voit comme ça, mais quand tu prends de la hauteur, pour toute la plaine, tu vois ce truc rond là. C'est un super repère. Il est dans l'axe, il est dans l'alignement avec le terrain de Lézignan-Corbière. Là, on a tout comme ça, les petits villages. 30 minutes. Hein. Alors, 25, 32, 33, 43, 50. Bah de Carcassonne, il faut quoi? Une heure pour arriver à Avignon? Une heure et demie? Une heure et quart? Une heure et quart, mais comment on va... Non, on va pas droit, on va faire le côtier. Ouais. Faudrait une heure et quart si on passe à Rhin, là, tu vois des montagnes. On passe au nord de Montpellier, au nord de Nîmes, là ouais, pour une heure et quart. D'accord, ok. Là, passant par Narbonne, il faudra une bonne heure et demie, quoi. Enfin, d'accord. Une heure et demie, allez, on va dire une heure et demie. Ok, une heure et demie, plus 30 minutes, ça fait 2 heures. Ok, pour la caméra GoPro, on est dans le... Ouais, c'est comme une check pétrole.
Là-bas, c'est la ville de Lézignan. Et les installations, c'est les hangars qu'on voit sur la droite là-bas. Ouais, je vois la zone, ouais. Voilà. Ouais, ouais. En Lézignan, il y a un simulateur de saut en parachute et de chute libre, tu sais. C'est une espèce d'énorme ventilateur. Bon, t'as des grilles et tout, évidemment. Tu te mets un casque, tu te jettes devant et tu fais des figures. D'accord. Il est juste à côté de l'aérodrome, ce truc-là. Voilà, tu vois, passer les Lézignan, ce que je vous disais hier. On passe les Lézignan, c'est fini. Ça commence à s'ouvrir. On commence à avoir déjà du feu bleu là-bas. Ouais, 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 c'est flagrant. Ça va se dégager, quoi. Lézignan, d'accord, donc c'est la petite ville qui est sur le côté à droite là. Il y a plein de petits villages comme ça, tu vois, avec... Ouais, mais c'est mignon. C'est joli, hein. Et là, on voit l'origine moyenâgeuse des villages, hein, avec systématiquement, on se mettait sur une butte. Hein. Ouais. Avec le canal du Midi et puis des petits ports, des petites marines. Hein. Ouais. C'est génial quand même. Ouais, ouais. Là, on va aller chercher Narbonne. Hein. Donc après l'océan, on va voir la Méditerranée. Là, on a le canal du Midi avec des bateaux de plaisance. Donc une compagnie de bateaux qui est basée à Castelnaudary. Et le principe en fait, c'est que tu pars de Castelnaudary avec le bateau et tu vas jusqu'au port de Sète, hein, sur 15 jours. Et à Sète, après, ils t'attendent, ils te ramènent en voiture, ou en bus, ou je sais pas quoi, ils te ramènent à Castel, récupèrent ta voiture. Ah, d'accord. Et sur le bateau, il y a des petits prendre les vélos, parce qu'évidemment, le but, c'est de s'arrêter, de vider toutes les escales. Ah, ça doit être sympa, hein. Ah, c'est génial. Parce que quand il y a tous ces petits villages, ils s'habillent aussi, évidemment, ils vivent le tourisme. Ouais, t'as tout un commerce qui est organisé autour de ça. T'as même des bus qui t'attendent si tu vas les faire à visiter un château ou un truc, ou à Minerve, par exemple. La ville de Minerve. Donc là, sur la gauche, on est en train d'abandonner le massif central, hein, la montagne noire. Et tout à fait au fond, ce sera les Cévennes, au-dessus de Nîmes. Là, on a le massif des Corbières. Planos et les Pyrénées. Ouais. Et face à lui, on a la ville de Narbonne avec l'étang de Sejan. On va le voir, moi je vais vous éviter parce que c'est une zone blanche qui est un petit peu avant. On va y arriver dessus là. D'accord. Bah dis donc, là on revoit à nouveau le ciel bleu, on a de la hauteur devant nous. Ouais, exactement. Par rapport à tout à l'heure. Ouais, mais c'est flagrant, et c'est ce que tu disais, hein, on est dans la zone. On a passé les Lézignan, ça y est, il y a des gros climats. Encore qu'aujourd'hui c'est couvert, mais il y a des fois c'est impressionnant. Hein. Ça fait comme un jour à La Rochelle, hein. Tu passes de mur de blanc à un mur de bleu. Hein. Ouais. Là c'est plus quand même... Ouais, mais donc c'est bien l'effet de fun du terrain, enfin le terrain, l'aérologie du terrain qui provoque ça. Voilà. De toute façon, quand tu regardes la météo à la télé, souvent ils te marquent l'arc méditerranéen, tu sais, ils tirent un arc de un rond comme ça. Là c'est bleu, et après il y a des nuages autour, tu sais, autour de l'arc méditerranéen. Ouais. Et de l'arc là, il passe à des Lézignan en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Montpellier, septembre novembre, bonjour. Bon. Eh bien on va trouver un arbre, hein. J'ai récupéré. Juste pour voir les fréquences, ouais. Information, Fox, Tango November, bonjour. Fox Ghost, bravo, Tango November, bonjour. Bonjour monsieur, Fox Ghost, bravo, Tango November, SS1, 172, 3 personnes à bord. En provenance de Carcassonne, à destination d'Avignon, il m'a promis Mike Victor, actuellement 1200 pieds. On fait route sur le nord de Narbonne pour un transit côtier qui nous fera passer par la CPR de Béziers. Oui, le transit, si on peut faire le transit côtier à Montpellier, Aigues-Mortes, et après on tirera à droite sur Avignon. Alors, mon fichier 70-40, maintenant 1000 pieds, je vous rappelle très vite pour passer avec Béziers. 70-40,
pour maintenir notre altitude et on attend votre appel pour passer à l'étudier, Fox Tango Novembre. Départ, excusez-moi. Bonjour, Fox Tango. Bonjour Lima Yankee, Maintain 7700, où il récupère du sel, point séché, ça le verra, on le verra avec des mortes tout à l'heure, ouais. Où là il y a la société, elle est connue, la baleine ça s'appelle, c'est la marque de sel, ouais. La baleine, ouais, ouais, les sels de mort. Tu vois, il y a des montagnes de sel, on va les survoler. Ah ben là on rentre dedans là. Airbus dans 2 minutes. Voilà. Et effectivement, il y a un marché de l'éolienne ici. Ah oui, il y a bon. C'est hyper vapeur, hein. Dans le secteur entre Narbonne. Le double de fois, la montée vers 95 approuvée. Entre Narbonne et la Perpignan, t'as un spot qui s'appelle la Franquille pour le 4. C'est l'endroit le plus vapeur de France. D'accord. C'est là où ils font les championnats du monde de kitesurf et le plus de trucs là-bas. D'accord. Ah, puis 145, vous pouvez vous mettre en 360 là, s'il vous plaît, par la droite plutôt, vous allez à nouveau rentrer dans Marseille. Le 35, je vais en droite. Ben, la radio, elle n'est pas terrible, hein. Donc l'Airbus, il va apparaître sur notre droite là, dans pas longtemps, là. Alors ça, là, ben, on file sur Narbonne, hein. Alors la ville de Narbonne, elle est complètement à droite, là-bas. D'accord. Voilà. Là, il y a le terrain de Narbonne et cette petite piste en herbe. C'est tout petit, hein. C'est juste avant la clape, là, c'est par là. Ouais, je devine, ouais. C'est un terrain comme ça qui est tout petit. Je suis en 35, vous pouvez me dire à quel... Ah ouais, on va vous poser l'autre fois. Donc là, on va passer pour ça. Béziers, on le verra après de loin. La ville de Béziers, elle est là-bas. Dans les... Montpellier de Fox Hotel, Papa Golf, bonjour. Bon, ça, j'en ai plus besoin. Bonjour, Papa Golf. Un décollage de Perpignan, donc il est 48, on va monter à 2500 pieds sur le point Echo, Sierra Charlie et retour. Bonjour Papa Golf, et bien vous affichez 54-60, c'est monté vers 2500 pieds à Echo. 54-60, je vous rappelle 2500 pieds, Fox Papa Golf. Fox Papa Uniform qui Juliette, vous quittez la contrée de Montpellier. Transpondeur 7000, vous pouvez quitter ma fréquence en bas. 7000, je quitte la fréquence, la clé Juliette, merci beaucoup. C'est l'écran 35, vous donnez l'altitude sur notre ensemble 1, vous lisez 1600. Donc cette zone à droite, ça s'appelle la clap. Ouais. Toute cette zone-là, ouais. Petit homme en radar ou radio là-bas, je sais pas. Ouais, c'est un émetteur radio. Là-bas, on commence à distinguer dans la gauche au fond la ville de Béziers. D'accord. Voilà, Béziers là-bas. Donc Narbonne, tout derrière, à droite. Là, on va approcher le littoral. Extraordinaire d'avoir des couleurs comme ça d'un coup là. Ouais. Là, on va arriver à l'embouchure de l'Aude. L'embouchure de l'Aude, c'est le point Alpha Delta. Donc là, on va rentrer dans les zones de Béziers. D'accord. Alors tu vois, c'est matérialisé par les petits qui sont là. Ouais, ok. Donc là, je file sur Alpha Delta. Un estable 2500 pieds, Papa Golf. Merci, Papa Golf. On va passer l'autoroute en neuf. Ouais. Le route qui va de Orange en Espagne. On commence à avoir des couleurs sympathiques, tu vois, ouais. Des fous là. Ah, les couleurs des États, regarde. Toi. Ah ouais, d'accord, ouais. Pigmenté comme ça. Tu vas voir sur Montpellier. Ouais. Après, c'est très très beau. Hein. Là, le village qui est à gauche, là-bas, ça s'appelle l'Espignan, ouais. Où habitent mes beaux-parents. D'accord. Ouais, j'habite dans ce village-là. Là, c'est le lac de Vendre. Ouais. Là, on arrive à Fleury, Dodin, Saint-Pierre, Narbonne-Plage et Gruissant. Ok. Gruissant, c'est le village
c'est les maisons sont sur pilotis où ils avaient tourné le film 37.2 le matin. D'accord. Ah ouais, je vois. Voilà. T'entends moi sur ta radio au fil. Hein. Quand on t'entends 380 par la droite pour éviter Provence. Ouais, même moi je trouve que je m'entends mal. Demande si c'est pas le jeu qui capte là. Combien à droite? Donc on t'entend mais c'est moins fort et clair qu'auparavant. Ben ouais. Parce même que pas. Je pense que c'est le truc qui capte la radio parce que à un moment ça marchait bien. Et là on arrive sur la mer. Ouais. Ouais, j'entends mieux Pascal que toi, c'est marrant. Ouais, ouais. Mais moi j'ai monté un peu le son parce qu'effectivement je t'entendais moins bien. Ah ouais bah, ouais, mais bon. Je pense pas avoir touché grand chose. Pour voir si c'est ça, là. Dieu, c'est pareil. C'est unique en 35. Et le 35, j'écoute. Est-ce qu'une une verticale seuil de la 36, ça vous irait là pour vos évolutions? Oui, c'est parfait, mais bon, on a besoin d'un petit volume quand même, donc on peut faire seuil 36 et descendre un peu au sud. Un petit peu au sud pour l'instant, j'ai rien, ça m'arrange, sinon vous êtes vraiment entre la limite de la mienne et celle de Provence, et c'est plus gênant. Donc entre 4000 et 6000, là, vous n'allez pas me gêner, en tout cas pour les minutes qui viennent, au sud du terrain de Nîmes-Garon. Eh ben, pas de soucis, monsieur, on va se mettre au sud du terrain de Garon, entre Saint-Gilles et le seuil. Tango novembre 120-175. Avec plaisir, on vous récupère à l'issue, comme Tango novembre. À l'issue, ce sera 118-2, ce sera la tour de Montpellier, 118-2, Tango novembre, au revoir. 118-2, merci monsieur, au revoir. Alors, attends, déjà on va faire ça. Bof. Ah, tu en as refoulé, crac, on visite. On redonne la tour de Béziers, s'il te plaît. La tour de Béziers. Alors, Béziers, 120-175. Bof. Béziers Tour, Fox Tango Novembre, bonjour. Tango Novembre, bonjour. Bonjour, Fox Golf Bravo, Tango Novembre, c'est 570. Trois personnes à bord libérées par Montpellier. On est au point Alpha Delta pour un transit de vos zones Alpha Delta, le Cap d'Agde, et puis après on poursuivra le trait de côte jusqu'à Montpellier. On transporte de 70-40 et on est actuellement à 200 pieds à 30 secondes d'Alpha Delta. J'ai pas copié l'altitude, monsieur. 1-8-2-0-0. Monsieur, poursuivre le QLH-1016, le transpondeur 54-51 et vous me rappelez en sortie. 54-51, 1016, on est en train de sortir comme Tango Novembre. Voilà, Alpha Delta, il est là. Techniquement, c'est... Il t'a pas dit 54-51 oui. 54-51, j'ai noté. Ouais. Techniquement, là, on rentre dans sa zone. Donc, ouais. C'est de la classe D, on est obligé d'avoir l'autorisation. D'accord. C'est vrai, j'ai compris. D'où le virage. D'où le virage. Là, c'est la ville de Valras-Plage. D'accord. Le Cap d'Agde, c'est la pointe qui est là-bas. On va rejoindre. Ah, ok. Là on voit qu'il y a le vent qui est en train de le pousser, tu vois. Ça vient, il fait ça. Ouais, ouais, ouais. Donc je l'espère. Ça me rappelle quelque chose. Là on voit bien toutes les petites, les petits brise-lames qu'on voit en Cibu. Ah oui, oui. Ah, c'est un régal. Sierra Echo à 11h. Voilà l'avion, il s'est mis tout seul à l'intérieur. Ouais, 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 ouais. 54, non. Ah, j'ai quand même un peu à en rajouter, parce que sinon on va finir. Faut que je décolle pour le caméraman. Ouais. Ouais, ouais. Non, tu vas avoir des problèmes. Donc là, super bien. On passe de l'Atlantique à la Méditerranée. Ben c'est dimanche, je vous ai envoyé une photo. Non, mardi. Mardi, je vous ai envoyé une photo du port de Valras où je suis allé chercher ma fille. Ben, j'étais garé au parking là où il y a les bateaux. Là. Ouais. Voilà.
Alors là on a Valras, derrière c'est le village de Sérignan. Tout à fait au fond là-bas, c'est Béziers. D'accord. L'aéroport de Béziers, lui, il est là. Je vois la tour. Et de... Ouais, ouais, je sais qu'il est entre la ville et la côte, mais... Voilà, ouais, il est là, quoi. D'accord. Un petit visuel à droite, hein. La mer elle va au fond là-bas. Et elle se confond avec l'horizon. Elle est devant là-bas. Ah, quand tu vas en Corse, voilà, c'est ce qui t'attend quoi. On commence à voir 7 tout à fait au fond, le Mont Saint-Clair. Un peu l'île dans la brume là, c'est la ville de 7. Hein. On va survoler bien sûr. Et 10 minutes de milliard d'heure. Ça c'est le village de Port-Tirane, avec énormément de villages de vacances à base de bungalows, ouais. Bobinos, caravanes. Là l'été c'est clafi de gens, allez sur les plages. A dit 100 pieds seul, 140 nœuds. En fait, c'est quelque chose comme ça que j'avais fait l'autre fois sur ce vol là. Mais en réalité, tu vois, là t'es bien placé et tu vois très bien le décor. L'amusant dans le simulateur, c'est d'avoir de la sensation de vitesse, tu sais. Ah oui, oui. Le terrain d'aéroport de Béziers, il est pile poil dans l'axe de l'aile. On voit la tour et le terminal avec le toit bleu. Et ça va hausser. On est pile poil dans l'axe là. Si vous avez l'œil, vous voyez la piste avec le décalé de pain. Mais il faut le savoir. Hein. Ouais. Là on a la ville de Agde, ouais. Là-bas c'est le Cap d'Agde. Les fameux culus. Avec les culus. Là la rivière qui se jette, c'est l'Hérault. L'Hérault qui se jette là. Regarde bien sur la gauche, il y a un dôme. Ouais. C'est un musée archéologique. Puisque la ville de Agde, en fait, c'était un grand port à l'époque des Phéniciens. Ouais, ils ont fait plein de fouilles. Ouais. C'est le Dras, ou je sais trop quoi, qui supervise ça. Ouais. Alors il y a beaucoup de Phéniciens, un peu romains, quand même aussi. En fait, il y avait un grand port là, je crois. Voilà. Ouais. Et du coup, ils ont fait un musée avec toutes les fouilles archéologiques. Ouais, mais ils ont trouvé plein de trucs. Voilà, exactement. Entre ici, Arles, Lyon, enfin... Exactement. Là, on voit une petite butte, pareil, qui appartient à l'armée. D'accord. Centre d'écoute. Il y a quelques antennes. Ouais. Oh, c'est beau, là, à droite. On arrive sur le Cap d'Agde. Avec une île au milieu de la marina, ils appellent ça l'île des loisirs, c'est composé d'attractions, manèges, etc. Ouais. Et juste avant, sur la gauche, on va le voir, il y a l'Aqualand, qui a été le premier Aqualand en France. D'accord. C'est là qu'il a été mis. On voit des toboggans multicolores d'ailleurs. Ouais, je vois. Voilà. En tout cas là on est excessivement stable, c'est génial. Ah ouais c'est parfait là. T'as un joli fort à droite. Ah oui. À droite, sur ta droite. Un fort. Ah oui mince, un fort.
Mais en fait, c'était volcanique ici, tu vois. Parce que... Bon, bah, il est passé. Tu vois comment la Terre, elle est vachement chargée de fer, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah là, ils ont vraiment bétonné, hein. C'est pas moche, mais c'est bétonné. Ah oui. Mais c'est pareil, ça merdait avec l'érosion. Parce qu'avant, t'avais un chemin qui poussait pas un peu le long, et il recule de plus en plus, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, bah ils ont même bétonné là-bas pour... Ah ouais. Après, il y a des prises de lave, mais... Là, c'est le village, le plus grand village de la touriste d'Europe. Celui-là, il est connu, ouais. Voilà. Là, c'est Cunu Land. On va ouvrir un peu. Là. Ah, c'est que du pénu, là. Regarde de là. Mais les lunettes sont par ici. Ah ouais, c'est, tout ça, c'est la touriste. D'accord. C'est la plus grande cité d'Europe, hein. Ah ouais. On arrive à Marseillan-Plage. Ouais. Marseillan là-bas, Marseillan-Plage. D'accord. Là, à gauche, l'étang, c'est l'étang de Thau. Okay. H-A-U. Alors, tu vas voir, ils font beaucoup d'aquaculture. Boules. Ouais. Et huîtres. En eau fermée. Ouais, il n'y a pas de marée. D'accord, mais c'est tout salé. Ouais, c'est salé, c'est salé. D'accord. Donc, en fait, la majorité de ce que tu vois, c'est monté sur des verrées hydrauliques. Deux fois par jour, ils sortent de l'eau, ils les rentrent. D'accord, c'est les zones qui sont blanches là qu'on voit. Voilà. Ouais, d'accord. C'est pour simuler les marées, renforcer le fruit de mer. Okay. Comme vous savez, tirer le banc dans l'Atlantique. Ouais, d'accord. Là, c'est joli parce qu'on a vraiment... Ça fait un peu comme à Bastia d'ailleurs, Bastia c'est exactement pareil. T'as toujours la mer qui est dans les bleus turquoises, et le temps intérieur qui est dans un bleu un peu plus soutenu. J'ai fait une photo du Languedoc, on reproduit ça. Bon, quelque part on n'a pas été en Corse, mais un peu quand même. Ouais, Bastia c'est vraiment ça, hein. C'est ça. Sauf que l'aéroport de Bastia il serait de l'autre côté là-bas, tu vois. Ça fait exactement ça, une bande de mer, seul nat, géant. Voilà, cette lampe de terre, je la visualise très bien dans le cibule. Ah ouais? Ah ouais. On l'avait fait dans le Tour de France. Ah mais en plus, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, contactez Montpellier, 118 décimal 200, au revoir. 118 avec Montpellier. Merci monsieur, bonne journée, au revoir. Seulement. Vous pouvez se prendre gauche, attendez. Alors Montpellier, il y a deux tours de contrôle, est, ouest, nord, sud, comme on veut. Ouais. Donc là, on a la première fréquence. On aura passé le seuil de plus, on bascule ensuite. D'accord. Montpellier, Fox Tango Novembre, bonjour. Fox Tango Novembre, bonjour. Transpondeur 5402. 6402 5402. 5402, Fox Tango Novembre. On est actuellement en 10 pieds. En approche de Sète, on vient d'être libéré par la tour de Vizier. On aurait souhaité un transit de vos zones et une sortie Alpha Mike, 2 pieds au QNH, si c'est possible. Fox Lima Romeo, autorisé décollage 30 gauche, virage à droite dès que possible, le vent 270 degrés 5 mètres. Fox Papa deux fois, la tour pendant 118-775, au revoir. 118-775, au revoir. Fox Tango Novembre, suivez la côte, le QNH est de 1015 à Montpellier, et vous me rappelez Sierra Fox. 1015 à Montpellier, on rappelle Sierra Fox, Fox Tango Novembre. Bon, c'est le tour de Duet Golf, en étape de base, pour être un touché, puis c'est en gauche. Fox Juliette Golf, numéro 1, rappelez final 30 gauche. Numéro 1, je rappelle en finale 30 gauche, Duet Golf. Donc j'ai étudié un secteur Sierra Whisky pour débuter les évolutions entre 1000 et 1900 pieds, Sierra Whisky Whisky si possible. Approuvé, j'ai étudié, restez côté terre. On restera côté terre, Fox, j'ai étudié. Côté
India Juliette en vent arrière à gauche pour un complet. Ouais, Fox India Juliette, numéro 2, le précédent en base DAFA, rappelé en finale 30 gauche. Numéro 2, on rappelle en finale 30 gauche, Fox India Juliette. Fox Lima Romeo, contactez la tour 118-775, au revoir. Avec la tour 118-775, il est en revoir. Fox Tango Novembre, information d'un DA40 dans vos midi 3 nautiques à la même altitude qui fait le tour de 7. Fox Bravo 2 fois, information d'un Cessna 172, midi 2 nautiques et demi à la même altitude, route opposée. Reçu pour le trafic, on fait un demi-tour pour Bravo 2 fois, on vient sur Serra Fox, Serra Wishy. Reçu. On va allumer le feu. Ouais. Allume le feu de décollage. Il faut que c'est un bon moment, on passe 7, on a visuel sur le trafic qui fait demi-tour, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Vous avez reçu, bravo de fois. J'ai reçu, oui, bravo de fois. Donc lui, il manœuvre en fait. Lui, il revient sur un Montpellier. Montpellier de Dieu et Golf en finale, il aura un touché qui se passe. Fox Juliet Golf, autorisé touché 30 gauche, 270 degrés, 89. Et c'est là où tu vois que l'effet nuage... Autorisé touché, il est 270 degrés 89. Autorisé touché du Duel. Là en face, on voit bien les parcs, hein. D'accord. Au fond, là-bas, il y a Bouzig. Il y a tous ces parcs à vitres, là. Ouais. Metz et Bouzig. Là, on est sur les canaux de Seine, où régulièrement, ils font des joutes. Je vois, je vois bien. Voilà. Donc là on a 7 et dans la foulée on a 3 clients. Montpellier Tour de Fox, Hôtel Delta Juliette Fox, bonjour. Bonjour Fox, Juliette Fox, maintenant qu'on arrête l'humanité, je vous rappelle. On maintient le point de vue. On est bien, on est au premier relais. Ah alors là c'est génial. On est à quelle altitude là? 900. Ah ouais. Ah ouais, c'est bon, putain, de là quoi. Là, c'est beau. On pouvait pas rêver mieux. Fox Juliette India, transpondeur 5423. 5423 au transpondeur Fox Juliette India. India Juliette en finale pour un complet 30 gauche. Fox India Juliette autorisé atterrissage 30 gauche, 260 degrés, 5 nœuds. Autorisé atterrissage 30 gauche, Fox India Juliette. Donc Juliette Fox sera perdu d'aller 400 en finale 30 gauche. On a visuel Juliette Fox. Juliette Fox derrière le DR 400 en finale 30 gauche, alignez-vous 30 gauche depuis l'humanité et attendez derrière. On s'aligne après le DR 400, Juliette Fox. Fox Bravo 2 fois, vous revenez en 30 gauche pour un complet, correct? On revient, oui, pour un complet en 30 gauche, Bravo 2 fois, ouais. Là, c'est une instruction? Ouais. Vous n'avez jamais pu faire la télécommande comme ça. Je vais se faire pour me forcer, vous écrire des trucs. Et bon, alors, moi, pour moi, maintenant, c'est pas chier. C'est la règle là, c'est le... D'accord. Que ça bouge pas, toi. Ouais. Tu dois tout seul. En fait, on a dit, on prend le tripode. Ouais, on fait d'embarner, de trucs. Mais ça bouge pas. Pas de raison de s'en mettre. Ah, c'est bien là. Hein. 900 pieds, en fait, on est à 270 mètres. Ouais. Là, tu vas commencer à trigaler parce que tu vas voir les fonds. Comme marin des étangs, ouais. Pas dégueulasse. Hein. Autant que le soleil est du bon côté. On fait le tour de Duet Golf en début de l'an carrière. Duet Golf numéro 1, rappelé finale 30 gauche. Numéro 1, je rappelle en finale Duet Golf. Regardez les couleurs là, ça ouais. Sur le jaune, le vert. Plein de couleurs, hein. C'est beau. Ouais, t'as vraiment pas de fond là. Ah ouais. Mais on voit l'ombre de l'avion.
Fox India Juliette, le sol 21-950, au revoir. Le sol 21-950, au revoir. India Juliette. Donc là, l'été, quand on fait ce genre de vol l'été, on peut... Fox Juliette Fox, autorisé décollage 30 gauche, le vent 270 degrés 5 nœuds. Autorisé décollage, Juliette Fox. Ouais, c'est en dessous. Donc, ce petit nous accepte pas... Ouais, d'accord. La souris de séparation. Tango, 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 Répétez. Vous avez la séance pour le DNF, s'il vous plaît, juste après vous. Ouais, d'accord. Fox Victor Tango, Fox Victor Tango, line up on 30 left, 4 take off now, wind 270 degrees 5 knots. Fox Bravo de Foire, je viens de base gauche, 30 gauche. Base gauche, 30 gauche, Bravo de Foire. Passe devant le village, le TGV. Ouais. C'est une espèce de circuit là. Ouais, ouais. C'est un circuit, alors, je veux pas dire des bêtises. Je crois que c'est un circuit qui est... Fox. Fox Juliette Fox, transpondé 54-11. Parler Michelin, ça pour tester les pneus. Ah d'accord. 54-11 Juliette Fox. Bon, c'est un circuit auto, hein, mais c'est impossible pour tester les pneus. Bon, c'est l'auto du Red Golf en finale, piste teinte gauche pour un complet. Juliette Golf, poursuivez, un départ en cours, rappel en courte. On poursuit, on rappelle en courte, Juliette Golf. La petite île devant, c'est le point Sierra Whiskey de Montpellier. Je rappelle encore, c'est un devant là. Quand tu regardes les titulés. Oscar Novembre, bonjour, on est prêt au point d'attente et on a visuel sur la file en cours. Bonjour Oscar Novembre, je vous rappelle sous peu. Je parle... Fox, Juliette Fox, C'est la basilique de la Madelone. D'accord. Je crois que tu cherches une basilique toi, quoi. Ouais. C'est cette église là. Ouais, mais c'est du roman, c'est du blanc. Hein. Bien en fin d'évolution pour quelques tours de piste sur la secondaire si possible. On fait le tour de Red Golf en courte finale, piste 30 gauche. Juste pour rentrer sur l'île, il y a une porte. Ouais. Une porte romaine. Juliette Golf, autorisé atterrissage, autorisé touché 30 gauche, le vent 270 degrés 4 nœuds. Autorisé atterrissage de Red Golf, merci. Alors on va voir sur notre gauche l'aéroport. Je vais bien fin d'évolution pour réintégrer avec quelques tours de piste si possible. Je t'India, eh bien, passez par Sierra Whiskey, donc à droite vers Sierra Whiskey, et longez la côte ensuite côté mer. Sierra Whiskey, on longera la côte côté mer, Fox Jetting. Fox Victor Tango, rappelez Whiskey. Panavas, il est clos. Fox Victor Tango, report Whiskey Point. Et tu vas voir, dans le village, il y a une espèce de tour, on dirait le tour de contrôle. Ouais. En fait, c'est un restaurant panoramique. D'accord. Fox Tango Novembre, information d'un DA40 dans vos 1 heure pour un nautique et demi à la même altitude qui est en tour de piste. C'est Tango Novembre, ouvre l'œil. Vous pouvez faire Eco Sierra direct. Vous m'avez dit quel point le Eco Sierra. Oui, on peut faire un Eco Sierra direct, oui. Victor Tango, climb 2000 feet. Fox Victor Tango, climb 2000 feet, QNH 1015. 2015, Victor Tango. On va prendre à droite, je vais rentrer. Juliette, vous pouvez rentrer en base gauche, 30 gauche. On rentre en base gauche, 30 gauche, projet Tinder. On fait le tour de Juliette Golf, piste dégagée. Juliette Golf, contactez le sol 21-950, au revoir. Je passe le sol 21-950, au revoir. Ouais, ouais, ouais. Fox Bravo de Foix, autorisé atterrissage 30 gauche, le vent 260 degrés 4 nœuds. Autorisé atterrissage 30 gauche, Bravo de Foix. Juliette Golf, pour le DA40 en courte. Oui, oui, en vue, bien sûr. Sauf qu'en avant derrière le DA40 en courte 30 gauche, amenez-vous 30 gauche depuis l'humanité, attendez derrière.
Derrière la finale en cours, on s'aligne et on attend Oscar Novembre. Fox Tango Novembre, contactez la tour sur 118-775, au revoir. Bonjour, 7 numéro 2 derrière un BA42 en fin de l'intérieur, je vous rappelle pour virer. France Lima Delta, numéro 2, bien reçu. Fox Tango Novembre, en fréquence avec vous, on est sur une route Eco-Sierra depuis Sierra. Bonjour Tango Novembre, vous rappelez Eco-Sierra. On rappelle Eco-Sierra Tango Novembre. France Lima Delta descend à altitude 2000 pieds, information d'un Cessna 172 000 pieds plus bas que votre clairance, dans vos 1 heure pour 2-3 nautiques et éventuellement rappeler visuel. Fox Alpha Québec, make a short, circuit number 1, runway 30 right. Air France 76-89, monte niveau 66-0. Au niveau débit, ça y va. Ouais. Montpellier Tower, Good Air, Fox, uniforme Victor Sierra Solo. Fox Golf, uniforme Victor Sierra Montpellier, bonjour. Descend 2000 feet, route November Echo, then November Charlie. Report in sight of the D40, overhead November Echo, 1500 feet. Fox Victor Sierra, descendu 2000 feet, Cabo Victor, November Echo, November Charlie, report traffic 4, November Echo. On reconnaît l'architecture là. Quoi, France Lima Delta, on est derrière un Cessna ou derrière un DA42? France 76-89, contactez l'approche 131 décimale 050 en route. 31-050, bon week-end Air France 76-89. Bon week-end. Air France Fox Alpha Québec, piste 30 droite, autorisée à l'option, le vent 260 degrés, 5 nœuds, rappelez vent arrière. Bon, mais les gars, Fox Alpha Québec, et on vira dès que possible pour laisser la place au Air France. Fox Tango Novembre Montpellier, vous avez visuel sur un Airbus A320 dans votre travers droit qui est en mer pour deux nautiques en descente vers 1000 pieds plus haut. On n'a pas visuel sur notre travers droit, Tango Novembre, on cherche. Tango Novembre immédiatement, vous virez à droite pour dégager sa trajectoire et vous rappelez quand le trafic est croisé. Très bien pris, on vire immédiatement à droite, on rappelle quand le trafic est croisé. Air France Lima Delta, je vous avais dit que je vous rappelais pour virer en base, mais bah vous pouvez virer en base, mais vous maintenez 2000 pieds de trafic dans vos midi pour deux nautiques qui prend cap vers le sud, 1000 pieds plus bas. Au sud, Air France Lima Delta. La visuelle sur le trafic, c'est un peu long. Vous rappelez trafic croisé. Lima Delta aussi, vous me rappelez trafic croisé, il est dans votre travers gauche pour 1 000 pieds plus bas. Ok, on l'a rendu en France Lima Delta, on vire en finale. Voilà, numéro 1 maintenant, piste 30 droite, plus de restrictions, rappelez final. Numéro 1, plus de restrictions et merci, merci aux collègues. France Alpha X-ray 1005, Fox Alpha X-ray, fly November Charlie and join the downwind. Fox Alpha X-ray, resume the 360 and join November Echo, then November Charlie. November Charlie, Fox Alpha X-ray. Fox Victor Sierra, report overhead the November Charlie. Fox Victor Sierra, report overhead November Charlie and the request is possible, check 1000 and 500. Copy, descend 1700 feet on November Charlie. Confirme runway 30 right requested. Affirme Fox Victor Sierra 30 right. Air France Lima Delta, piste 30 droite, autorisée à l'atterrissage au vent 260 degrés 5 nœuds. Autorisé à l'atterrissage 30 droite, Air France Lima Delta. Fox Alpha Québec, vous étendez l'avant arrière, vous êtes numéro 2 derrière un 320 d'Air France qui est à 5 nautiques final, rappel visuel, attention turbulence de siège. Alors on a visé sur le numéro 1, Fox Alpha Québec en étant et on fait attention à la turbulence de siège. Fox Victor Sierra, join right hand downwind runway 30 right, your number 3 behind the D42 end of downwind. Fox Victor Sierra, join the beginning of downwind runway 30 right, number 3. Fox Tango Novembre, vous faites route Alpha Mike, c'est ça? Alpha Mike, bien sûr. Voilà, vous ouvrez bien à droite, il y a beaucoup de trafic en circuit qui va étendre aussi l'avant arrière. Vous ouvrez bien à droite pour passer côté terre et puis Alpha Mike ensuite. C'est bien pris, madame. Fox
Fox Alpha Express, do you have insight at GA 40 in your 1 o'clock, in your 11 o'clock, 2 nautical miles, 200 feet below GA 40? Something inside the Fox Alpha, actually. Follow this traffic, you're number 4 behind. Follow the traffic, number 4 behind the Fox Alpha, actually. La Delta, en cadre mise de gaz, vous maintiendrez relax, beaucoup de trafic qui rejoint le début de montée initiale. Fox Alpha Québec, confirmé, c'est pour une option. Merci. Ah non, mais écoute. Fox Alpha Québec, 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 Fox Ah et puis là c'est un peu plus rosé au niveau des couleurs. Ah tu vas voir, ça va être même carrément violé. Tiens Jean-Luc, tu fais quelques visuels de l'avant s'il te plaît. Ah bah ouais. Tu regardes comme ça, tu le tiens devant toi et tu le fais pas. Ouais ouais, tu regardes, tu maintiens le, voilà, ouais ouais. Et ouais, bah, ouais. Bah voilà, improvisé, ouais, c'est ça, voilà. Reporter à la place du BMP. Victor Sierra, you're number 3 behind the G42, which is on the base on the sea site, the reported site. Traffic inside, so Victor Sierra. Sure, number 3 behind, report final 3, so right, Victor Sierra. Number 3 behind, and the report final 3, Victor Sierra. Fox Alpha 3, you can descend 1,000 feet now. What's number 3, the Fox Alpha 3? On va tout pénaber, hein. On a Port Labar, le Gros du Roi et la Grande Motte. Fox Alpha X-ray, request tower to Kazakhstan. 1,005, one high tower. Fox Alpha X-ray, confirm you want to divert to Carcassonne? Et non, Fox Alpha X-ray. Merci. You don't want to land in Montpellier? Don't land, Fox Alpha X-ray. Do you have a problem on board? Negative, Fox Alpha X-ray, just diversion X-ray side. You are solo flight? Affirm, Fox Alpha X-ray. On arrive à Aigues-Mortes, la ville fortifiée. Fox Alpha X-ray, join overhead tower 1,500 feet. 1,500 feet, overhead tower, 5 meters, Fox Alpha X-ray. En vue arrière, c'est super. C'est spectaculaire. Fox Alpha X-ray, contact tower 118 decimal 2, bye bye. All right, that's more to 10 km, Fox Alpha X-ray, solo. Fox Lima Delta, Air France Lima Delta, pardon, contactez le sol 121 decimal 950, avant. 121 decimal 950, Air France Lima Delta, et bon courage. Merci. Fox Alpha Québec, piste 30 droite, autorisé à l'atterrissage, le vent 260 degrés, 4 nœuds, j'ai un avion Victor, éventuellement rappelé vitesse contrôlée. Alors, 30 droite autorisé à l'atterrissage et on a bien pris par l'avion Victor Fox Alpha Québec, on rappelle vitesse contrôlée. Montpellier Tour de Pompier 4, rebonjour au point d'attente de Tango 6 pour la visite de piste. Pompier 4, je te rappelle d'ici 3-4 minutes le temps de poser tout ce qui est en vol et après ça sera bon. Pas de problème, je m'en tiens. Fox Alpha X-ray, which altitude would you like for the cruise to Carcassonne? Là, t'as le droit de passer. Oui, ah ouais, là on n'a pas le choix. En fait, on va remonter le canal. D'accord. Le point Alpha Mike, c'est le donjon pour... Fox Alpha X-ray? Ah, c'est magnifique. Fox Alpha X-ray? Excellent. Caméliéval, dégueu mort. Fais la langue, prise de white, Fox Victor Sierra. Fox Victor Sierra, report shot final, runway occupied. Fox Victor Sierra, report shot final. Correction Alpha Québec, il faudra rouler jusqu'en Whisky Unité. On laisse rouler pour Whisky Unité, Fox Alpha Québec. Tango Novembre, on a passé Alpha Mike, on fait route vers Avignon. Fox Tango Novembre, contactez Garon 123, décimal 2, au revoir. 132 avec Garon, merci madame, bonne journée, au revoir. Bonne journée.
Fox Tango Novembre, bonjour. Bonjour monsieur, Fox Tango Novembre, c'est un 172 en provenance de Carcassonne. La destination d'Avignon, vous êtes retiré par la tour de Montpellier, on passe Alpha Mike à 1000 pieds au QNH 15. On aurait souhaité un transit de vos zones via une quête directe sur Avignon. Je peux passer au sud des axes de Nîmes-Garonne. Un problème de micro, là je pense j'entends un fort bruit de fond, plein de vent et je n'entends quasiment pas. Ok, je vais corriger ça. Bon, il y a trois lignes. Alors, est-ce que vous brossez les mieux? Un petit peu mieux, il y a un fort souffle là, et je vous reçois à 2 sur 5. Vous venez de Carcassonne et vous allez où? Fox, make sure to leave solo, back and forth with you. Copy, report leaving the city. Report leaving the city, Fox, make sure to leave. Ah oui, maintenant mieux, je vous écoute, donc vous faites Carcassonne vers où? Alors, en provenance de Carcassonne à destination d'Avignon, Provence est libérée par la tour de Montpellier. On est souhaiterait une directe sur les installations d'Avignon depuis notre position, ça nous fait passer 1000 pieds au sud des axes de Nîmes-Garon. Alors vous allez faire une route vers Saint-Gilles, 4 nautiques au sud de Garon, et 1000 pieds, 54-56 à place Saint-Gilles. 54-56 au sud des installations Saint-Gilles, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon. Gilles Garon, du Fox Juliette Sierra Hotel Oscar, bonjour. Oh, bonjour. Hotel Oscar, bonjour. Ah. Hotel Oscar, toujours en autogère avec deux personnes à bord. De retour d'un vol local de Nîmes-Courbesac. Actuellement, à 2000 pieds, QNH 1014, c'est une transpondeur. Avec information Delta, et j'aimerais pénétrer dans votre zone pour rejoindre Sierra November, mais en longeant le Gardon si possible. Alors vous rappelez à Sierra November, hôtel Oscar. Je rappelle Sierra November, hôtel Oscar. C'est bon? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ah mais on a un problème micro, vas-y par là. Là je parle. C'est bien, c'est bien. Le micro est pour Juliette, Scoc 7000, leave the frequency, goodbye. Scoc 7000, leave the frequency, goodbye, thank you for the goodbye. Bon, je vais regarder ça. Alors vas-y, attends. Vas-y, pour voir par là. Là, je parle. Ouais, c'est vrai que j'entends faible, hein. Ouais, faut que je rende ça. Et là, avec eux, c'est bon? Ouais, ça va, ça va. Ça va, ben oui, ça va bien, ouais. Apparemment, il ne ment pas mieux comme ça. Alors, Saint-Gilles, c'est là-bas. Allez, hop, là, c'est les deux étangs de Saint-Gilles. Redébrancher pour se le repasser. Ouais, vas-y. Oui, vas-y, ouais. Ah oui, merde, on est croisés. Tu verras, il y a une petite prise et une grosse prise, en fait. On est à combien d'Avignon? Fox Inactio en longue finale 36 pour un complet. Je vais te le faire le câble. Il est à Kilo, piste 36, numéro 1, pico de finale. Numéro 1, je rappelle Fox Inactio 36, Fox 36 Inactio. T'arrives là? C'est vrai que c'est pas très pratique quand on n'a pas la visuelle. C'est pas mieux là? Impeccable. Ouais, mais je dois avoir un problème, mon micro il a dû lâcher quoi.
Alors on est à combien d'Avignon? On est à 30 nautiques. Hein. Dans 20 minutes quoi en fait. Mais on a quand même du vent, on a du vent de face. Hein. Donc 30, 15 ou ouais, 20 minutes quoi. On commence à voir les Alpilles en face, là. La montagne qui descend, c'est les Alpilles. Hein. Là, c'est normal, hein. On arrive en Camargue, c'est la sortie du couloir rhodanien avec la Méditerranée. Donc Lima Kilo Pis 36, autorisé atterrissage 350 degrés signaux. Autorisé atterrissage 36, Foxtrot Lima Kilo. J'ai envoyé un SMS de confirmation à Dreambox. Bon, je ne sais pas quelle heure il est, il est midi non? 11h25. 11h29. Ah bon, ce sera à midi à Avignon. Hein. Ouais, il m'a dit qu'il serait pour 12h30, j'ai confirmé que c'était ok. On voit la ville de Nîmes sur la gauche là-bas. Ouais. Au loin là-bas non? Ouais. Ah oui, effectivement, au loin là-bas, ouais, on voit les bâtiments à gauche. Et là on a plus un peu de. Allez, gars, on tourne du largué en Zulu deux fois, bonjour. Zulu deux fois, bonjour. Poursuivez la descente sur courbe sac, rappelez Libéron 1002. Poursuivez la descente vers courbe sac et on rappelle Libéron 1002, largué en Zulu deux fois. Saint-Gilles par le travers, à gauche. Et Nîmes Garon. Ouais, c'est les installations de Garon. Bon novembre, on passe Saint-Gilles, 1100 pieds, on va couper les axes. Oui, rappelez en sortie de CTR, Tango novembre. On rappelle en sortie de CTR, Tango novembre. Et là, on vient de passer vertical d'une mouette. Ouais, 70 pieds. Hôtel Oscar, appelé Libéron 1200 pieds à Courbesac. Hôtel Oscar, je rappelle les 1200 pieds libérés. À la Nîmes Garon. Une vache de grande piste là. Et on a Saint-Gilles en dessous. Tous les 1200 pieds, on passe avec courbe sac. Hop, regarde. A droite, c'est le petit Rhône qui va jusqu'à Arles. Et de Arles, il y a le grand Rhône qui va à Port-Saint-Louis. Et entre les deux Rhônes, c'est vraiment, on est dans le delta de la Camargue. D'accord. Donc on peut considérer que la Camargue est à droite du Rhône en fait. Géographiquement parlant, après bon. Horizontale d'une mouette, 80 pieds, 50 pieds. Donc on a bien la ville de Nîmes sur notre droite là-bas. Gauche. Sur notre gauche évidemment. L'autre droite en fait. C'est l'autre droite de tout à l'heure. Alors, si on regarde bien au sol, on devrait voir de temps en temps, j'essaie de trouver ça, des manades avec des élevages de taureaux. Il y a énormément évidemment de taureaux dans cette région là. Donc c'est vachement reconnaissable parce que des vaches toutes noires, forcément, ça tire l'œil. Ah c'est des taureaux, c'est des vachettes hein. Ouais même taureaux hein, pour la plupart quand même hein. On le verra mieux. On va essayer de trouver ça. Ah tiens, on est travers de piste. Voilà. Donc en fait les trackers sont sur la gauche, hein, dans notre sens de marche. Hein. C'est les installations militaires qui sont sur la partie gauche de la piste. La partie droite, c'est la partie commerciale. Kilo, prochaine gauche. Lima Kilo, la prochaine gauche, poursuivez le roulage sur 121-8 et rappelez au parc pour quitter. Sur la droite, là-bas, c'est la ville de Arles. Fais le roulage sur 121-8 et je rappellerai au parc pour quitter Foxtrot Lima Kilo. Camargue. Au fond là-bas on a des éoliennes, on va arriver sur la sur les villes de Tarascon d'un côté et Beaucaire de l'autre. Beaucaire est dans le Gard en Occitanie, alors que Tarascon de l'autre côté du Rhône est dans les Bouches-du-Rhône, donc en PACA. Et là juste en dessous, on est en train de passer l'autoroute qui rejoint Nîmes. À Marseille. Oui, Garon, du Fox Hôtel Oscar, 1200 pieds libérés en vue de courbe sac.
Hôtel Oscar, transpondeur 7000 et le club en bas. Transpondeur 7000 et je passe sur la fréquence club. Merci, au revoir, bonne journée. Bonne journée. Donc en fait, tu vois, ce qu'on survole là, sur la carte, c'est tout en bleu, avec des petits points, des machins. Tu pourrais avoir l'impression d'être dans une espèce d'estuaire avec du sable ou des choses comme ça, mais en fait, non. Et on a le péage là-bas. Ouais, il est indiqué. Là, il n'y a plus de doute possible. On n'avait déjà pas avant. Bon, t'es à la maison là, Phil? Oh, depuis Montpellier, ouais. Là, c'est la zone où on apprend le pilotage, c'est vraiment complètement notre zone à nous. Zone d'instruction ici, c'est assez plat, on peut se poser. On va faire attention parce que le sol est en dessous du niveau de la mer, ce qui fait que les jours où il y a eu les lendemains de fortes pluies, il faut faire attention à ce que les lacs, les terrains ne soient pas justement détrempés. Ah ben tiens, on a le canal là. Et la ville qu'on voit au fond à gauche là, c'est quoi? C'est Arles. Arles, ah c'est celle-là, oui. Arles, Tarascon, Beaucaire. Et juste après les éoliennes, on a des fumerolles qu'on aperçoit. En fait, ce sont l'usine de cellulose. Là, on va quitter les zones de Nîmes et on va rentrer avec la tour d'Avignon. Donc juste avant, je vais prendre ma météo pour avoir l'information, la confirmation des vents, éventuellement le QNH à recaler. Foxtrot Lima Kilo au parking pour quitter. Lima Kilo quitter, bon appétit. Merci, à tout de suite, Foxtrot Lima Kilo. Une antenne là-bas, dis donc. Waouh! C'est pas une antenne ça, c'est une cheminée. Ouais, alors on voit la cheminée, c'est la cheminée. Rebonjour. C'est la cheminée d'Arles. Rebonjour. Fox Hotel, Ecomac, le PA28, on a 7000 transpondeurs. Qui est modélisé sur le scène. Direction, on souhaiterait la direction de Nîmes, de Remoulin pour du Gard, et ensuite on se dirigerait sur Do, à l'Est Do, Fox Ecomac. Bon, Arles. Reçu Ecomike, le transit a prouvé que NH 1015, 54-50 au transpondeur, appelé sortie de CTR. 54-50 au transpondeur et on va prendre 1500 pieds, ça vous va? Approuvé Ecomike. La face à nous, on a les ponts. Fox, Tango Novembre, transpondeur 7000, quittez ma fréquence, à bientôt. 7000, on quitte ma fréquence, merci monsieur, au revoir. Bravo, Alpha Tango. Face à nous, là on est en train de faire face à un espèce de donjon, c'est le château de Tarascon. On voit les ponts et juste derrière, on a une espèce de club carré. Alpha Yankee, Avignon, piste 17, autorisé atterrissage, vent calme. Ah, 17 Alpha Yankee, autorisé. Good day, c'est Avignon, information Delta, record 1115 UTC, effect ILS approach, runway 17 news, wind calm, setting and visibility, ok, temperature 22, QNH 1015, all graph trip close, airdrop activity at Peugeot, glider activity around 9, il fait contact, confirme information Delta received. Bonjour, ici Avignon, information Delta, enregistré à 9h15 UTC, prévoyez approche CLS, piste 17 en service. Vent calme, ciel et visibilité ok, température 22, QNH 1015, toutes les parties en herbe sont fermées. Activité parachutage à Peugeot, activité délivol autour du Mazet. Bon, premier contact. Ah, la piste 17 en service, c'est plutôt hein. Bon. Ok, donc là on a le château de Tarascon, là, juste là, je vais le laisser à gauche pour que Pascal le filme. En fait, il y a deux châteaux à filmer, Pascal. Ouais. Sur la gauche du Rhône, c'est Beaucaire. Ouais. À Beaucaire, tu vas voir un château, on l'aperçoit le haut du château sur la butte. Ouais. Tu vas voir un château, c'est le château de Beaucaire. Et après, en enfilade, tu traverses le Rhône et de l'autre côté, tu auras le château de Tarascon. Eh ouais. Quand on passe en TGV, on les voit bien tous les deux. On voit les deux châteaux qui sont face à face. Donc on a l'Occitanie d'un côté et la PACA de l'autre. Avignon Tour, Fox Tango Novembre, bonjour.
Alpha Yankee, piste dégagée, poursuivez vers le parking. Fox est rappelé au parking. Alpha Yankee, je vous rappelle au parking. A bientôt, Fox Tango Novembre, bonjour. Fox Tango Novembre, bonjour. Bonjour monsieur, Fox de Gaulle, bravo Tango Novembre, Cessna 172, 3 personnes à bord. En provenance de Carcassonne, on passe Tarascon, Beaucaire, 1100 pieds, on a pris l'information Delta. Tango Novembre, information de trafic en route opposée, en évolution, un CTLS 1000 pieds haut. C'est bien pris Fox Tango Novembre, on ouvre l'œil. C'est la 17 en service, vous me confirmez? En service Fox Tango Novembre, une autre information de trafic, un ULM arrive à Sierra Whiskey, 500 pieds haut. Ok, bien pris, on maintient 1100 pieds, QNH 1015, on ouvre l'œil. Romeo Lima, donc 1200 pieds sous haute position, un Cessna 172 en route vers Sierra Whiskey. En effet, Romeo Lima, on n'a pas visé pour l'instant. Fox Tango Charlie, information de trafic, droit devant vous, route opposée, route Sierra Whiskey, un Cessna 172, 500 pieds bas, maintenez votre altitude actuelle. Reçu, pas de visuel, Tango Charlie, on maintient 1500 pieds. Vous êtes trois dans le même secteur, tous à 500 pieds d'écart. Mais oui, c'est exprès. Tango Charlie, on peut aller travailler vers Whiskey si vous voulez. Allez sur Whiskey si vous voulez. On part sur Whiskey, 1500 pieds, Tango Charlie. Donc vraiment, vous avez pris, vous êtes le plus bas, les deux autres avions sont 500 et 1000 pieds au-dessus. Oui, c'est bien pris, raison pour laquelle on préférait maintenir dans 1000 pieds QNH 1015. Autorisé décollage, vent calme, ensuite rappelé passant 2000 pieds en montée vers 3000. Sierra Whiskey, c'est le village. Rappel 2000 en montée vers 3000, Michael Star. Ce village, c'est Graveson, Sierra Whiskey. Avignon Alpha Yankee au parking pour quitter. Vous pouvez quitter, au revoir. Au revoir, à tout de suite. À tout de suite. Ouais, le micro, je crois qu'il est, ça y est, il est mort là, ça y est. Je vais être papa au point d'attente de Charlie, après remontée ouais. 17. Fox, je vais être papa, remontée piste 17 à convenance, éteignez-vous, rappelez prêt. Je vais être papa, je remonte 17, je rappelle prêt. Le palais des parpaids de fond en avance. Retour de la position, retour complet. Fox, Tango Echo de la position exécutée, approche direct piste 17, rappel établi final. Rappel établi final, Tango Echo. Roméo Lima, je cherche Tango Novembre. Nord de position, 2 nautiques, 1300 pieds bas. 1300 pieds. Sur Roméo Lima, on souhaite faire une simulation de panne moteur entre Sierra Whiskey et Saint-Rémy de Provence. J'ai pas d'autre trafic à vous signaler, vous êtes toujours en espace golf, rappelez au retour. Ouais, c'est pour avertir Tango Novembre. Voilà, merci. Vertical de la ligne de chemin de fer et on passe Graveson. Tango Novembre, poursuivez, rappelez en base main droite piste 17. On rappelle base main droite piste 17 pour Tango Novembre. C'est correct. Et l'ULM qui était 500 pieds haut est toujours nord, maintenant nord de votre position, toujours 500 pieds haut en route vers Whiskey. C'est bien pris, Fox Tango Novembre. Sur la gauche là-bas, tu as une regarde à monastère, on voit juste les tours qui dépassent. Alors c'est vraiment derrière. Hein. Fox Hotel Delta, Michael Delta, placé code transpondeur, pardon, 547 unités. 547 unités, Mike Delta, et on arrive 2000. Ensuite, poursuivez la montée à 95 et contactez Provence Info 132.3, au revoir. 95, 132.3, au revoir, monsieur Mike Delta. Fox Hotel Sierra, Juliette Papa, piste 17, autorisé décollage, vent calme, rappelez en vent arrière main gauche. Et Papa, je décolle, je rappelle en vent arrière main gauche. Il y a tout un tas de serres ici, hein. C'est très très maraîché. La raison est simple, c'est qu'on a de la Durance qui arrive là. Et quand il n'y avait pas tous ces systèmes de barrages, ça dégueulait. Donc c'était une zone très marécageuse. Donc il bénéficie d'un Tango Charlie, on arrive Whiskey 1500 pieds, on va évoluer dans le secteur. C'est Tango Charlie. Une zone très fertile en fait. Hein. Donc là on a la Durance, là-bas on a le Rhône. Et quand on est parti à Aurillac, et ben en fait on a décollé d'Avignon et on est passé au-dessus de la Durance, quasiment face à nous là. On a fait le virage et après on est parti comme ça vers Aurillac. La boucle est bouclée là. À droite c'est la ville de Château-Renard. Et tu vois il y a une petite colline
Et en haut de la colline, il y a le château, on voit les deux tours comme ça. À l'extrémité gauche de la colline. C'est le château de Château-Renard. Qui est modélisé aussi, hein. On l'a sur FS1. Après sur la gauche là-bas, tu vois les deux lignes TGV qui se séparent, le viaduc. À gauche à Nîmes, à droite Paris. Et la gare TGV d'Avignon, c'est l'espèce de dôme arrondi, on dirait une ouive. Ça c'est la gare TGV. Cessna 112 arrive en base main gauche de Sierra Whiskey. Vous pouvez vous mettre un peu en attente, réduire ou poursuivre un peu la visite pour être derrière lui. Oui, mais je suis à moins 7 nautiques là, non? Tout à fait. Oui, je vais réduire la vitesse. Donc la piste est en face là-bas, donc nous on arrive sur une base, c'est-à-dire perpendiculaire. En fait on arrive du côté opposé où on a décollé. Ok, c'est en haut, ce serait bien pour un complet. Ah si, un complet, on passe l'Endurance dans quelques secondes. 1100 pieds, tunnage 1015. Reçu. Il vous est possible de écourter le circuit? Affirme, on peut l'écourter. Faites le numéro 1, rappelez final piste 17. Numéro 1, rappel final 17, on écourte le circuit d'approche. Ok, Hôtel Sierra, Juliette Papa Vigneron, numéro 3. Trafic précédent, un autogire arrive en 5 nautiques. Papa numéro 3. Octo Tango Echo, vous pouvez reprendre la vitesse, merci. Ça c'est le stade de foot d'Avignon, qui évolue en Ligue 2. Et là on passe à la ligne TGV qui va de Marseille à Paris. Là tu vas à Marseille, depuis Paris, c'est là que tu passes avec le TGV. Donc on fait une arrivée un peu rapide, moi j'aime bien ça. T'es formé là-dessus. Donc là on arrive un peu chaud, hein. Saint-Ineux, on va bien réduire. Là on passe au-dessus du centre commercial au champ sud. Il y a le même en or là-bas, Ponté. La piste est à droite. Le seul truc c'est qu'il faut éviter, il faut ne pas survoler là à droite. Hein. C'est l'hôpital de Montfavet. Hôpital psychiatrique, mondialement connu pour les soins qui y sont apportés. Et où a fini sa vie Camille Claudel. Camille Claudel d'ailleurs est enterré. Fox Tango Novembre, piste 17, autorisé atterrissage, vent calme. Autorisé atterrissage, piste 17, Fox Tango Novembre. Elle est enterrée au cimetière Fox de... Fox Papa, trafic de... précédent, autogire, à 4 nautiques et demi, établi en finale. Fox Jet Papa, actuellement le trafic autogire est dans vos 11 heures, 3 nautiques en route inverse vers le seuil. Jet Papa, j'ai pas encore du visuel. Alors évidemment il y a de tout, hein. Il y a des gens qui sont très très malades, et des gens même qui sont carrément enfermés parce que c'est des grosses pathologies. Hein. Et donc t'as le cimetière de l'hôpital où l'intérêt Camille Claudel. Mais pas, j'ai pas de visuel de mon autorisation, c'est à 180 degrés. Et chaque année pour l'anniversaire de PC, il y a une cérémonie de gens qui ont... Papa, je fais un rallongement à 180 degrés. Et t'envoies quoi de visuel du numéro 1? Parfait, poursuivez, de numéro 2. Vous pouvez dégager à Charlie. C'est bien pris, on va gérer pour sortir à Charlie dans Volvamp. On arrive très fort, hein, tu vois, au-dessus du plan. Mais sans volcan, on est Charlie ou en vent? C'est vraiment des arrivées. Il y a personne à Charlie par le temps de novembre à côté, donc vous pouvez également dégager en Charlie. Ah bah oui, Charlie, sans volcan. Ça, ce genre de choses, si tu te sens pas, il faut le refuser parce que tu peux faire des bêtises quand même, hein, il faut faire attention. Hein. Chercher la piste, tu vois. Hop, on arrondit, on amène le nez de l'avion, comme j'ai dit, tu vois, carcan. Hop là, comme ça, et on va chercher les roues. Et regarde. Toc, voilà. Je vais papa, j'arrive en page. Ah, papa, vous avez visuel de l'autogire jaune qui est en finale dans votre secteur 1h. Papa, je n'ai pas de visuel. Alors, faites une petite attente. Papa, je vous fais une attente. J'expédie la sortie, bien sûr, parce que... Le volcan a visuel du CT, hein. Il est plus haut, hein. Oui, il est visuel, ouais. Oh, il fait chaud aussi, hein. Ah. Bienvenue à la maison. Fox Tango Novembre, la piste est dégagée. Tango Novembre, roulez au club et quittez sans rappeler. On roule au club et on quitte sans rappeler. Bonne fin de journée à tous, au revoir. Au revoir.
Fox Tango Echo, piste 17, autorisé atterrissage, vent calme. Autorisé Tango Echo. Bravo Lima, on est à Sierra Whiskey pour un retour terrain à 1100 pieds. Bravo Lima, eh bien rappelez Vertical Tour, 1500 pieds, QNH 1014. On rappelle Vertical Tour à 1500 pieds. Et bien voilà, notre périple se termine. Et voilà, l'aventure. Bon, on est parti avec le beau temps, on revient avec le beau temps, c'est déjà pas si mal. Bon, on a eu un intermède de beau temps entre les deux. Voilà, on a eu très beau, du très dégueulasse aussi, quand même, faut dire ce qu'il y a. Finalement, même ce matin, le départ, bon, c'était un peu crasseux quand même. Hein. Crasseux, ouais. Là, vous avez quand même une expérience de voyage formidable, là. Là, sur 4 jours, moi j'avais fait 5 jours en Croatie, enfin, il y a 8 ans, quoi, donc tu vois, ça j'ai pris un énorme plaisir à refaire un voyage, c'est génial, quand même. Hein. Mais, ça reste fatigant, vous avez vu, là, quand il faudrait pas faire 3-4 jours de plus, hein, parce que, mine de rien, ça fait des bonnes journées, hein, entre la préparation des vols, on se couche pas non plus comme les poules, le matin, il faut se lever tôt, ça demande quand même, voilà. C'est pas de tout repos forcément, c'est du plaisir, mais c'est pas de tout repos quoi. Ça c'est sûr. Alors on a un Cessna 152, un petit tout, pour apprendre à piloter. Après on a le 182 à côté, le grand frère. Ah tiens, oh, il y en a deux en finale, regarde, à droite. T'as l'autogire. Ah. Et là c'est un instructeur, il doit lâcher son élève, qui est dans le CT. Parce que c'est Christian, tu vois, il a la radio, tu vois la radio portable qu'il a. Si le pilote, l'élève, il a un coup de chaud, lui peut lui donner des consignes au sol. Et la tour le sait. Christian, capot, 17 000 heures de vol à côté, tu vois. Waouh. 17 000. Là, il y a un client, là. C'est celui, il en a plus que le chef pilote. Bon, oh, ben. Une extraordinaire expérience. Ah, je crois que là, quand même. Là, il n'y a pas à dire. On n'est jamais blasé de voler, mais là, je reconnais que là, quand même, ça m'a. Et en particulier avec tous les transits, enfin, les deux transits au moins qu'on a fait. Ah, Montpellier, c'était bien aussi. Ah, ouais. Toulouse et Montpellier ce matin, là, dis donc. Avec le passage sous un air, c'était pas courant, quoi. Ça pulse, hein. Ça pulse. Extraordinaire. C'est un peu la difficulté qu'on a quand on fait ce genre de vol. D'exercice, il faut quand même se sentir à l'aise déjà à la base, hein, tu vois. C'est déjà d'un pilotage hésitant, peut-être un peu de hésitation à tenir la machine. Toute cette partie qui se rajoute en plus, c'est du stress, pas forcément facile à gérer. Ouais. Et le risque, c'est de faire une bêtise. Dire, quand il a fallu monter rapidement à 3000 pieds, faut pas traîner quoi. Ah non, non, non. Et il faut pas partir en virage engagé, il faut pas. Voilà. Avec une météo qui était en plus. Et en plus, tu étais en train de faire un 360. En plus, tu vois, 360 à monter, il faut bien tenir la dérive. Ça s'apprend, on l'apprend, hein, monter en spirale vite. Ça, c'est faut bien tenir la bille pour pas partir en train de tomber plus cher, etc. Bon, on est par deux billes. On a mis 1h25. Pas mal, hein, ça, on avait dit. 1h25 plus. Jusqu'à 30 minutes. Mais 30 minutes, un peu plus de 30 quand même. Hein. On a mis 40 minutes. Donc ça fait 2h15. On s'est fait pousser au départ et puis après on s'est fait avant. 2h15, c'est à peu près la prévision qu'on avait fait. Et encore, on s'est arrêté à Carcar. On se dit tout ça avant ou bien? Ouais. Mais il faudrait peut-être qu'on te filme parce que non mais. Non, parce que le gars, tu vois, il tient la caméra, mais il faut le voir derrière. Hein, à gérer les cartes, les logs, regardez. Là, il y a de la navigation là. Là c'est pas touriste là. Hein, voilà. Mais Jean-Luc aussi quand même. Jean-Luc. Ouais, mais le touriste là. Hein, Le touriste encadré en plus. Touriste actif. Super expérience. Alors, non, mais super expérience. Niveau de vol, on a fait plein de choses. Très grande expérience. Plein de choses de nouvelles pour moi. Transit côtier. Magnifique. Ouais, voilà. Je te rends le chouchou. Ouais. Oh, mais puis maintenant, ça va se terminer comme ça se termine toujours. Hein. Ouais. Là-bas, mamma mia. Voilà. On va aller déjeuner.